Et bien bonjour à tous les amis, c'est Félix. Donc aujourd'hui une vidéo assez bizarre, assez spéciale, que j'ai vraiment pas l'habitude de faire. Et je me suis dit, on va faire une petite vidéo assez cool où est-ce qu'on va découvrir un objet que j'ai reçu étrangement. Cet objet je l'ai reçu tout simplement, bah comme un colis Amazon classique en fait. Au moment que j'ai ouvert pour voir ce que c'était pour l'unbox, j'ai vu que c'était un colis d'une marque que j'avais jamais parlé. Il est poussiéreux parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, là je mets de la poussière partout. Enfin que je l'ai pas utilisé, que je l'ai pas pris dans mes mains. Et en fait c'est une tablette qui coûte environ 70€ sur Amazon. Donc c'est relativement pas cher je trouve, même si je connais vraiment pas bien les prix des tablettes, je trouve que c'est pas cher. Voilà, tout simplement un combo de trucs bizarres. Et donc comme on est dans une vidéo qui parle de tablettes et entre guillemets de téléphone, je me suis dit ce serait sympa de vous proposer une présentation de jeux mobiles. Donc voilà, je vous présente une petite OP sponsorisée juste avant de commencer la vidéo les amis. Mais juste avant de vous proposer la vidéo les amis, j'ai un jeu à vous présenter. Attention, c'est un jeu qui en vaut le détour. Je pense sincèrement que ce jeu est vraiment bien. C'est un RPG super ambitieux sorti en 2019 les amis. Je parle bien évidemment du jeu Raid Shadow Legends. C'est un jeu mobile hein, j'ai oublié de le préciser, mais bon voilà. Ce jeu à la particularité d'avoir une expérience très immersive, et en plus de ça c'est complètement gratuit, vous pouvez le télécharger. Inutile de vous dire que tout se passe en description pour pouvoir télécharger le jeu. C'est une évidence les amis, je pense que Raid répond largement à tous vos critères pour avoir un bon jeu mobile, un jeu drôle, voilà, un RPG avec par exemple de bons scénarios, de bons graphismes. Ça les amis, j'ai joué et je peux vous dire que les graphismes, je pense c'est ce que j'ai retenu le plus pour un jeu mobile. Vraiment allez tester les graphismes, ils sont vraiment super. Vous avez évidemment des gros combats PVP avec des boss géants, et vous avez une centaine de champions à collectionner et à améliorer. Il y a au total plus de 10 millions de téléchargements de Raid Shadow Legends, et franchement c'est pas pour rien, testez-le, vous allez voir que le jeu est vraiment fou. Alors il y a deux secondes je vous parlais de champions et je vais vous montrer deux champions que j'ai actuellement. Donc mon préféré sur les deux c'est celui-ci, c'est Atel. Voilà, c'est avec lui que j'ai fait l'émission du début, et franchement rien qu'avec ce personnage et rien qu'en faisant les premières missions, vous avez déjà des graphismes de malade. Donc voilà les amis, mon champion préféré. Ensuite il y a celui-ci juste là, je galère. Hop. Voilà, il y a ce champion plutôt badass qui s'appelle Sniper. Voilà comment il est. Donc avec ses plus de 10 millions de téléchargements et ses 200 000 avis, je peux vous dire qu'il y a vraiment de très bons avis. Il y a, comme je vois actuellement, 4,5 étoiles sur 5. Le jeu grandit très vite et des mises à jour arrivent au cours des 6 prochains mois. Il y a donc du contenu infini à apprécier. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Il y a aussi une nouvelle faction, une tag team arena et un nouveau boss. Alors n'attendez plus, allez dans la description de cette vidéo avec les liens pour télécharger le jeu. Et en prime de ça les amis, vous pouvez avoir 50 000 d'argent et un champion offert dans le cadre de cette OP. Donc franchement les amis, n'hésitez pas. Pour commencer votre parcours, ça peut être super. Donc allez télécharger le jeu et allez checker ça dans la description. Bon, moi j'ai installé tout ça et puis on se retrouve pour unbox ce colis vraiment mystérieux d'une marque bizarre qui m'a envoyé un produit. Je sais pas comment ils ont mon adresse mais c'est pas grave. Donc c'est parti. Ok, bien heureux les amis, donc on se retrouve avec le petit colis pour l'unbox, avec une petite vision sur le colis pour pouvoir l'ouvrir. Donc on va tout simplement, bah déjà Made in China, la marque c'est cette marque-ci. Je suis pas du tout là pour faire de la promotion pour cette marque réellement. Il y aura même pas de lien dans la description, mais c'est juste pour le fun, pour voir un petit peu ce que j'ai reçu. C'est très étrange quand même. Très très étrange les amis. Franchement c'est la première fois que ça m'arrive. Donc on va voir ça. Le plastique fait un bruit énorme. On dirait une boîte de jeux de société. Je sais pas si je peux vous montrer la texture, mais on dirait vraiment genre le Monopoly ou une connerie comme ça. Est-ce qu'on l'ouvre tout de suite ou pas les gars? Comment on le fait déjà? J'arrête pas de bégayer là. J'en peux plus. Ok, donc ce serait judicieux quand même d'enlever le petit plastique. What? Hop, ok, c'est bon. Ok, donc c'est parti, on va voir ce qu'il y a dedans. Il y a un truc qui tombe là. Il y a un truc qui est tombé dans ma chambre. Je vais pas dire que c'est le colis, mais bon, hein, y a déjà plein de trucs chelous. Là par contre, ok. What? What? C'est quoi ça? Hein? Quoi? Mais ils disent que j'ai gagné un truc, je comprends rien, j'ai jamais coopéré avec cette marque. Les gars, vous avez gagné un cadeau gratuit, donc là faut que je leur envoie le truc pour pouvoir gagner un cadeau. Est-ce que je le ferai pas? Et ce serait cool que je le fasse pour voir un petit peu. Franchement, ça peut être drôle de les contacter. Ça peut être drôle de les contacter et remonter un petit peu la source. Ok, donc ils disent que j'ai gagné. Et par contre, il y a des trucs qui bougent chez moi là. Ça me casse les couilles. Ça me fait flipper. Ok, donc là on me voit. Super, on voit que j'ai le front luisant. Et que j'ai une mauvaise coupe. Faut vraiment que j'aille me faire couper les cheveux. Par contre, cette caméra qui tombe toute seule. Donc elle est légère. Et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte aussi? Ok, donc ça c'est. Oh, c'est des espèces de polystyrène compact. J'ai la phobie des ongles sur le papier glacé, sur le carton glacé. On va dégager ça parce que des petites notices à droite à gauche. Ok, donc là on a le plus intéressant, la tablette, et on va voir un petit peu ce que ça nous donne en fait. C'est chargé ou pas? Je pense que c'est pas chargé.
Ok, non, c'est chargé, ok, donc on l'allume. Ça fait vraiment flipper, les gars, j'ai reçu une tablette, je sais pas d'où elle sort. Ça fait vraiment flipper, je vous garantis que je connais pas du tout cette tablette. Je connais pas cette marque, vraiment. J'ai déjà cherché avec un pote et tout qui m'aide à faire des mails. Et il m'a dit que cette marque m'a jamais contacté, il a recherché dans tous les mails. Et il y a aucun mail qui a cette... enfin, qui dit que... qu'on va coopérer et tout. Normalement je leur envoie l'adresse avant et tout, et donc ça se sait, mais là il n'y a aucun truc et c'est vraiment assez flippant. Donc on va allumer ça et puis on va voir. C'est vraiment chelou quand même. Oh non, le son il est là, donc ça doit être horrible je pense. Et ensuite je fais comment moi? Ok, commencer. Mais c'est what the fuck. Mais imaginez, vous avez ça sur votre téléphone. Pourquoi j'ai reçu ça? Mais qu'est-ce que j'en fais? Ok, ça, je vais juste voir un petit peu le... Amsterdam. Bah on va s'appeler comment, les gars? Je sais pas, on va s'appeler... Patrick. Patrick. Avec un K. Voilà. Par contre, le bruit à chaque fois que vous cliquez sur un truc, c'est vraiment horrible. Ça, je ne cautionne pas du tout. Bah par contre, frérot... Ah. Ah non. Ah non, non, je vais pas localiser mon appareil. Hein. Ouais, non, 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 il me demande de localiser, on va pas localiser tout ça. Hein. Allez, hop. Allez, c'est bon, parce que là... Ensuite, on a ça, donc le chargeur qui va avec. Mais c'est bizarre le prix, les gars, franchement. Je connais pas du tout le prix des tablettes et tout. J'ai jamais eu de tablette de ma vie chez moi. Mais je trouve ça vraiment bizarre, un prix aussi cassé pour une tablette. Et donc, on va voir ce que ça donne. On va voir la qualité photo aussi, je vais vous dire si elle est bien ou pas. C'est juste ce qui m'intéresse, mais c'est vraiment bizarre. Ok, donc déjà, on dirait que ça bug un peu. Hein. Ouais, on dirait que ça bug un peu. Ouais, c'est horrible, à chaque fois que tu cliques sur un truc, mon gars. Mais putain, mais... Faut tout configurer. Mais c'est... What? Ok, 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 donc... la qualité, elle peut passer, on dirait de la 720p. Bon, bah, c'était une surprise pour personne, les gars. C'est pas foufou du tout, les images. Donc là, on allume... Ah ouais, non, ok. Ouais, en vrai, ça peut passer pour le prix, hein. Franchement, ça peut passer pour le prix, mais c'est horrible le son, là, qui... Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Je vais casser quelque chose. Donc j'ai une tablette complètement gratuite. Je sais pas comment j'ai eu ça. Ah, putain, merde, faut se connecter à internet. Bon bah franchement je sais pas ce que je vais en faire. Bon, peut-être que je vais contacter la marque quand même, parce que c'est bizarre, hein. Moi les gars, franchement, pour cette vidéo, je suis vraiment dans un doute complet. Je sais pas du tout pourquoi j'ai reçu ça. Et je sais pas du tout ce que je vais en faire. Et encore moins pourquoi on m'a envoyé ça. C'est vraiment bizarre. Il y a trop de trucs bizarres là. Donc cette tablette, en résumé, cette tablette, je l'ai reçue complètement gratuitement et sans avoir la moindre idée de qui me l'a envoyé. Donc je suppose que c'est la marque, mais quand même, je ne sais pas qui est derrière ça. Et c'est vraiment bizarre de recevoir une tablette chez soi. Je vais regarder les applis. Mais non, mais du coup c'est 999. Mais je sais pas ce que je vais en faire, les gars. Bon, je pense qu'on en a assez vu pour cette vidéo, les gars. Bon, franchement, pour le prix, les gars, c'est vraiment pas mal, en vrai. C'est pas mal, vous pouvez regarder des vidéos et tout, faire beaucoup de choses sur une tablette. En vrai, quand j'y pense, c'est bien, mais je ne sais pas qui me l'a envoyé. C'est le seul truc, les gars, franchement. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo. Merci infiniment de ceux qui le feront. Nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.